Et Jésus-Christ a droit au poumon mingi. Jésus-Christ se salue. Et Angoluna hier s'est fait couper sa bise beaucoup tarigoy. Et par sa grâce lui a pris de lui donner cette rencontre. Ata pluie zaraki mais afumoraki moi joint potoya. Même s'il y avait plus, mais il nous a donné l'accès de parvenir ici. Il faut à la carte reconnaissant et pas en vendre. Il faut toujours être reconnaissant en toutes choses. Même si on va proposer bouger, vous savez. Même si tu bouges le petit doigt, comme ça gagne, il faut le louer. Et ça, on va tomber sur l'hôpital. Il y a d'autres personnes à l'hôpital. Nous ne pouvons pas bouger, mais à la carte. Ils cherchent à bouger dans les doigts. Jusqu'à ce que le nouveau couille. A bouger le quai. Le jour va bouger son doigt. Famille et l'ingane. C'est toute la famille qui sera dans ma joie. A bouger qui le coup. Il avait bougé. Ah, c'est qu'il faut bouger le coup des agentes. C'est que bouger la main n'est pas une petite chose. Moni Makena, on a essayé le coup, on est le coup. Et puis ça porte la nouvelle avec joie parce qu'on a bougé le coup. Ils ont mis ça le coup. Là, ça fait zéro le quai. Mais pense-moi que c'est une petite chose. Il faut une sacrée armée, ça n'est pas bon. Il faut nous dire que c'est par ta grâce que j'ai le mouvement. Les années mawanayo. C'est ta miséricorde. Ce qui est aussi négaïté. Si pas tu ne me soutiens pas, je ne suis rien. Mais ça caille le coup, mon ambiance. Il faut les donner gloire en toutes choses. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. On a mis ce tata, mon corps et mon ici. Et aujourd'hui, texte, on a mis toujours. Il y a Apocalypse 2, verset 6. Hein? C'est pourquoi nous prenons notre texte, Apocalypse 2, verset 6. Pourtant, il y a un combo dans Jésus-Christ. En lisant au nom de Jésus-Christ. Tu as pourtant ceci. Si vous allez l'autre, où il n'y a pas une ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes. Mes alliés, tu es où il n'y a pas de Nicolas. Œuvre que j'ai et aussi. Mes alliés, tu es où il n'y a pas de Nicolas. Verset 15e, toujours il y a Apocalypse 2. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Que Dieu bénisse les dieux. Amen. Et regarde, ma vie sont mignes et pas à Seigneur Jésus-Christ. Et notre regard est plus fixé vers le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre aide et notre enseignant dans cette alliance. Nous ne savons rien. Nous espérons à lui pour nous donner sa propre parole. Ce qui a son bisoté, les amis, pas si ma casse. Si lui ne nous assiste pas, c'est pitoyable. Il a pris sa parole. C'est lui qui donne la parole. Et suivant aussi cette alliance, mon côté à côté à nous amener. Et nul n'enseignera son concitoyen. Mais nous tous serons enseignés de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous rabaisser et laisser la place à Dieu qui s'élève. Parce que yende a bonki a tombwa makoleka. Parce que c'est lui qui est digne d'être élevé encore plus. Et nous nous puissions nous prosterner devant lui. En enseignement il y a mardi. Dans l'enseignement du mardi, les une écriture n'a pas qui, mais la cita qui chapitre en beauté. Il y a une écriture que j'avais donnée sans citer le chapitre en respectif. Un frère a dit que ça m'a suite au culte. Un frère était venu me le dire à la fin du culte. Que au lieu de Proverbe 22, au lieu de dire Proverbe 22, tu as 27. Tu avais dit Proverbe 27. Effectivement, il y a l'abscisse. Effectivement, c'était une erreur de langage. Ah, maintenant, tout le monde en est en deux. Mais dans ma pensée, c'était. Dans autant la cette écriture, dans le bac qui est en pour le babouer. Je l'avais seulement mentionné en prêchant. Moi, j'aime à chaque fois même ce que l'écriture est plus ami, place au babouer à côté, tout bon, ici, t'as le ling et babouer à côté. Moi, j'aime corriger là où l'écriture n'a pas été bien dite. Mais tout ce qu'on avait dit était la vérité. Mais il fallait matambonyo zande na Proverbe 22. Mais cela est dans Proverbe 22. Verset 20 à 21. Le verset 20 à 21.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Tant que tu textes autre qui est mon apologue. Lorsqu'on avait pris ces textes selon parlant. Mais on est trop bas, 20, chapitre 22, proverbe 27. On est dit chapitre 22, on avait dit chapitre 28. C'est ça, proverbe 22, verset 20 à 21. C'est proverbe 22, le verset 20 à 21. Vous voyez, quand il s'est écrit, commis à Zambé. On montrait que l'écriture de Dieu. Ils ont déjà réfléchi. C'est déjà réfléchi. Et elle n'a pas besoin de nos réflexions. Si tu veux prêcher l'écriture, Luca toujours banina na écriture. Et cherche toujours ses amis dans les saintes écritures. Et non en dehors des saintes écritures. C'est alors que tu seras bien préservé sur ces champs. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous autant pour assurer d'abord les trois esprits où ils ont combattu l'Église. Nous marchons sur les trois esprits qui combattent l'Église de Dieu. Mais le chemin où nous suivons pour faciliter la compréhension. Mais le chemin qu'on a emprunté pour faciliter ta compréhension. Tant toujours bien un peu sur l'esprit du Nicolaïsme. Lorsque nous parlons sur l'esprit du Nicolaïsme. D'abord, pour remarquer qu'il y a un verset 6e qu'on doit utiliser dans l'Apocalypse 2e. On a remarqué au verset 6 qu'on a utilisé dans l'Apocalypse 2. Que Zambé a inakayango vraiment. Que le Seigneur est les œuvres de Nicolaïde. Et puis Zambé a encouragé l'église des saints à Éphèse. Et puis le Seigneur a encouragé l'église des saints d'Éphèse. Pour mon église des saints d'Éphèse et inakayango. Parce qu'il a remarqué que cette église est aussi les œuvres de Nicolaïde. Maintenant, pourquoi pas nous? Pour la mine de Bissoté, que nous aussi nous puissions haïr ces œuvres de Nicolaïde. Et que le Seigneur aussi puisse nous témoigner à notre tour. Mais il faut pour comprendre très bien Bissoté. Tu dois aussi bien comprendre qu'est-ce que c'est les œuvres de Nicolaïde. Pour savoir l'éradiquer ou les enlever devant toi. T'as dit ce qui est Nicolaïsme. On avait montré que le Nicolaïsme, c'est toute une doctrine. Les alliés, il a qui s'y oui, les alliés, au Gonzalicolo, il y a peuple. Qui domine sur le peuple. Mais le Léguéouana, il y a un salon, il y a pour dominer le peuple. Mais dans cette manière de travailler en dominant le peuple, ils ont propre pour le monde. C'est une manière propre du monde de travailler. Il y a autre chose qui est Matthieu 20. C'est pourquoi on avait pris Matthieu chapitre 20. Pourtant, qui verset 25 et verset 26. On avait lu le verset 25 et 26. Jésus-Christ, à Jésus-Christ est en train de dire. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu 20, verset 25 et 26. Jésus les appela. Yesu a et dit. Et vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Et que les grands les asservissent. La parole de Dieu juste aujourd'hui. Les a valable d'âge en âge. Et Zalibomo Bikekena Bikeke. Atomoni Matériau démocratie. Même si on établit la démocratie, on peut effacer les serres. Tu ne vas pas effacer cette parole de Dieu. On a bateau pour les hommes. Vous avez l'habitude là. Il ne faut pas avoir cette habitude là. Oh mon Europe. Vous voyez l'Europe. Ils sont bien organisés. Ils sont bien organisés. Jésus n'a pas le c'est Jésus qui l'a dit. Là on a une salamine. C'est pourquoi je dis aujourd'hui. Ceux qui Jésus a dit, veillez, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Ceux qui sont le lycée, j'ai la paix au sein de la pauvre et à la Satan, à ce moment, nous avons habité la bien. Même si je te vois avec de bonnes habitudes. Une bonne manière de vivre. Nous lui donnons nos sangs. Mais tu n'aimes pas la prière. Ah! Nous avons le père de la faute. Je ne te vois même pas dans le péché. Dans l'animal,
et je puisse croire à toi. Jésus a dit, veillez, priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Mais son niveau sang, j'ai la paix, beau sang, mais la peau, beaucoup, il y a des dans la série. Attends, dans son monde. Même si je ne te vois pas dans le péché, on est la tentation trop. Tu vois le péché comme de l'eau. Pourquoi je crois ainsi? Pour Jésus a dit. Parce que Jésus l'avait dit. Donc on appelle ça, yon de raison, non, on ne résout pas Jésus. Et je te donne à toi raison et Jésus, je puisse te dire. Jésus a le puissant qu'on se semble la terre, ma son et qu'on tombe dans ma casse. Jésus a dit, si tu ne pries pas, le péché va remplir ta vie. Alors que tout homme soit reconnu menteur. Mon Dieu soit coûte à mal écouter. Dieu seul vrai. Nous avons un écouté à solo. C'est dans Romains 3. C'est dans Romains chapitre 3. Quand il verset 4. Je lis le verset 4. Tout homme a sa reconnu menteur. Mon Dieu seul vrai. Nous avons un écouté à solo. Donc, où nous sommes à l'objet. Ce que Dieu a dit. Je ne peux pas discuter ici. Et comme même ce moment de Joseph, et même en voyant Joseph, le Seigneur a exagéré, le Seigneur, selon la parole qu'Isaac Abraham, selon la parole d'Abraham, qu'après temps il y a esclavagisme à continuer sa peuple. Après le temps de la servitude, il fera sortir le peuple. Joseph a montré qu'esclavagisme à la terre, mais il y a la simanaïe. Joseph n'avait pas vu cette servitude qui était venue après. Mais tant qu'oiseau couffa, mais lorsqu'il mourait, a été si mal époné. Il a dit à ses frères, certainement, solo les animaux. Donc il vous raté, cela ne va pas rater. Dieu vous visite. Ça va pas pour rien pour ta vie. Attends, il y a un dit qu'il est en côté. Il a regardé qu'il n'a pas vécu la servitude. C'est pourquoi attends, dans un ambiance hôpital. C'est pourquoi même si je suis sur le lit, dans un cas dans mon thème, et que je meurs, la voyez, vous savez qu'il y a son lit, ça. Je te dirais que Jésus guérit dans un sens et la table qui s'en va. Je n'attends pas que la poste, il y a quand même un peu mon ami qui a dit ça. Mais je prêcherai seulement qu'il guérit. Mais dans un coup, ça m'a malade. Mais je meurs étant malade. C'est ce que je vous ai fait. Ces animaux, c'est quoi ça? Amoni amoureux, il n'a pas vu la servitude. Il s'est tellement solo. Dieu ne s'en va pour rien pour ta vie. Les problèmes ne vont pas annuler la fidélité dans un métier. Les problèmes ne vont pas annuler la fidélité. Attends, il y a un métier pour me casser. Même si les problèmes se lèvent farouchement. Notre Dieu est puissant. Ça veut dire qu'il soit plus puissant. À sa manière, on casse. À votre temps, on est un peu. Je vais toujours les confesser ainsi. Ma problème tenait qu'on changeait les armes. Ce n'est pas le problème qui vont changer ton Dieu. Attends à l'Alisa. Même si je ne vais pas faire ça, il donne la nourriture. La comédie pour tout, j'arrive à Nazora. Je veux. Seigneur, merci parce qu'il fait ça. Seigneur, merci parce que tu donnes la nourriture. Pourquoi nous connaissons ça à la tête? Tu ne vas pas lui ôter ce rôle-là. À Pambolaka. Il bénit aussi. À Sikolaka. Il rachète. Et ça, pour ça, là, c'est son œuvre. Mais à ça, là, il a connu son malamou na tambo na yango. Chaque chose forme à son temps. Zalaka toujours à l'ennemi qui quitte à niveau sa parole. Et toujours à la manière de te rabaisser devant. Quitte ta parole et tout. Il laisse la parole s'élever. Parole en a. Et qu'on l'homme qui sera tout bébé. Et cette parole te fera vainqueur dans beaucoup de tes combats. Quand tu es là, on va te dire qu'on ne sait pas. Il dit jamais que Dieu, tu m'as déçu. Il y a des parfois qu'on comprend l'été. C'est toi parfois qui ne l'as pas bien compris. Et l'homme aux enseignes, parfois, qu'on dit c'est mon terre, tant que nous allons attendre. Peut-être ta demande s'accomplira en telle année et toi tu l'attends dans une autre année. Mais pour qu'on comprenne les bien, mais pour que tu puisses bien décider, il faut demeurer l'ingi dans des prières intenses. Le Seigneur va la mine et le sang de la casse. Donc, prier les amis une vie. Le sang pour les amis, pour moi, il m'a dit. Tu vois ta respiration. Et ça la bombe pour la. Et ça soit ainsi aussi pour toi dans la prière. Quand j'en ressens beauté pour un temps qui apprend aux en récréation. Il ne t'adonne pas la prière pour un petit moment afin que tu entres à la récréation. Si tu ne jeûnes pas. Mais derrière la prière. Mais derrière la prière. Dans mon quotidien. Mais à un certain moment, si tu jeûnes. Et ça a une vie. Prière. La prière est importante. Et ça dit mon tout en tasse. Et ça, moi, aux autres, papa, Jésus-Christ. C'est le dialogue entre le Père et son Fils. Et lorsque tu parles trop avec le Père, il saura te révéler beaucoup de choses. Le Seigneur a sa déclaration.
Le Seigneur qui fit cette déclaration a lobi les chefs des nations, ma konzi ya babikolo, les tyrannies, makamba kabango na kunyuku na bango. Donc makamba mabota. Donc il domine le peuple. Le peuple. Et que les grands, ma konzi, les asservissent. Ma konzi sa na bango loko na bango. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Et vous allez d'abord monter dans cette tinabino. Y a un total ici qui ni Cambouana, Salomon, Père Monakiamo. On avait montré aussi que Salomon avait vu cette situation. Total qui est Ecclésiaste 8, dans verset 9. On avait lu Ecclésiaste 8, le verset 9. Total ici qui voyait. On avait montré ça. Dans l'écriture du Seigneur. Nakatani Komiangolo. Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8, dans verset 9, au verset 9, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai vu tout cela, Namoni, et j'ai appliqué mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour les rendre malheureux. Si l'homme domine sur l'homme, ce qui a continué bonheur, il n'y aura pas de bonheur. Bonheur, il n'y aura pas de bonheur. C'est ça vraiment où ils allaient conquérir un homme. Il y a C'est pourquoi il nous fallait sillonner les Écritures saintes. Ma commune est sainte. Pour montrer comment Jésus avait dit, les tyrans, les tyrannistes. C'est pourquoi nous marchons pour voir les tyrans ou les rois des nations. Zolenge, eux d'abord, ils ont marché parce que Jésus avait bien qu'un haut. Comment est-ce qu'ils ont marché parce que Jésus en avait parlé? Marbi, Zolenge, eux, on a des gens dans l'église. C'est-à-dire que cette manière-là ne sont pas parmi les frères de l'église. C'est pourquoi on avait commencé par voir comment le diable fut précipité. Ézéchiel chapitre 28. On avait lu Ézéchiel chapitre 28. Verset 17. Au verset 17. Totalement la bombe à Jésus-Christ. Son nom de Jésus-Christ. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Qui a corrompu ta sagesse par ton éclat? Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Donc le diable a quitté la scène. Donc le diable a vu précipiter sur la terre. Ayant la sagesse corrompue. Il est descendu aussi avec sa sagesse. Qu'est-ce qu'il est venu trouver? Tant que marche sur la terre, lorsque la marche se faisait sur la terre, sur la terre, les âmes beaucoup menées à ma nation. Et que la terre était entre les mains des nations. Il y a autre temps qui est le beau aux âmes à tirer. On avait lu le signe que le Seigneur avait mis dans Genèse 3, verset 1. Dans Genèse 3, le verset 1. On avait dit ceci. Les serpents azali les plus risés parmi tous les animaux que le Seigneur a sans. On avait demandé de cesser de mal lire les Écritures. Si tu lis mal les Écritures, au côté après ma B. Tu vas aussi prêcher ma la Bible. L'Igoniwana et l'Omite que serpent kakandazana rise. Cette écriture ne dit pas que seul le serpent était risé. Waneza influence la doctrine de Brahmanisme. Waneza l'Igotinika malakisia vana. Mais la doctrine on est vana depuis le premier siècle. Mais lui aussi l'a copié dans les doctrines depuis le premier siècle. Et seulement même dans le 18e siècle. Même aussi au 18e siècle. Il y a des doctrines qui parlent sur les serpents. D'une mauvaise manière de ce qui s'était passé dans les jardins. Oh, doctrine
et que le frère Branham aussi a copié dans sa prédication. La doctrine de Branham, c'est une doctrine de sorcier. Il ne faut pas suivre l'apparence extérieure. Ceux qui m'ont dit qu'ils vont respecter les critères. Si quelqu'un ne sait pas respecter l'écriture, il n'est pas du côté de Dieu. On s'agita quand tu es dans la vie. Ne t'agite pas dans ta vie. Mis sur la vie, t'as qu'à écrire des lieux. Que tes yeux soient rivés sur les saintes écritures. Nous avons d'abord visité Balaam. Le Seigneur visitait Balaam. Mais Balaam a dit devin. Mais Azalaki Ndanga est qui ici? Nous avons d'abord autant. Mais le Seigneur venait le visiter. Et le Seigneur lui donnait aussi le message. Il m'a dit que je suis l'homme qui se prospère. Il m'a dit que je suis l'homme qui se prospère. Les Jésus. À mon qui arrivait même à Jésus. Il voyait même la venue du Christ Jésus. C'est limite prophète. À Zalim, on s'appelait le temps des vins. Au Zalanda, à fixant même le temps. Il avait fixé le temps. Elle dit, je vois un astre qui sort de Jacob. Dans ce moment, mon tour de monde au Bimalaya. Habite pas maintenant. Les loter. Les Koya Kobimaka. Mais de loin. Moïse a eu dit. Moïse a entendu Balaam prophétiser. Balaam était d'accord, maman a livre à l'homme. Livre à l'homme, c'est ça Moïse là. Ce n'est pas Balaam qui a écrit cette histoire dans les livres des normes. C'est Moïse. Moïse était dans la marche. Moïse était dans la marche avec le peuple. Mais Balaam a prophétisé dans l'âme au côté à Balak. Donc maintenant, il y a Moabite et Madianite. Mais Balaam prophétisait du côté des Moabites et des ennemis d'Israël. Mais Moïse t'a envoyé. Mais lorsque Moïse l'a écouté, il t'envoie le désert. Ce qu'il vient de dire là, il passe. Parce que Moïse t'a envoyé. Parce que moi aussi, Moïse, j'avais dit. Dieu vous citera un prophète. Ça m'est abandonné. Mais devait où oui. Mais bon, on t'a envoyé. Il a vu un astre sortir de Jacob. Mais c'est vrai. Tika na koma. Laisse que je l'écris pour les enfants d'Israël. Livre de Moïse et Balaam. Le livre des nombres, c'est le livre de Moïse et non de Balaam. Moïse là. C'est Moïse qui l'a écrit. En vivant, il a accepté que ce que Balaam avait dit est vrai. Nazareth qui parle ici. À mon avis, que ça, c'est Dieu qui lui a visité. Il avait vu que c'est Dieu qui a visité le devin. Mais à l'envoi, la porte à devin. Moïse a fait un programme à ma maman et devin. Mais il n'avait pas quitté sa nature de devin et Moïse même l'avait tué à la fin de la marche. Combat à Israël, à Madiani, des Alana, nombre 31. Les combats d'Israël contre Madian, le nombre. Là, c'est un enseignement. On a mis à l'épée, il a dit et les Moana et Kalisaka, ces signes-là montrent. Parce que Rémi, ça va pas tout bien. Parce que j'ai toujours dit aux gens, Moïse a baraki. Moïse avait passé une fille de Madian. Est-ce pas Madian? Yo, aux agis entre lui. Lorsque ses frères l'avaient rejeté, Moïse a qui m'a dit? Moïse avait fui. A qui m'a dit? Il a fait se retrouver dans la Madian. Il est allé se retrouver dans le pays de Madian. Là, ça va là qu'à moi, Sinaï. C'est là où il avait épousé. Ça va. Donc, ma magnanite m'a dit par nos kilomètres. Et ma magnanite était sa mère, famille. C'est ce que je nous faisons bien comprendre. Mais Madian. Ce que tu as lié dans Genèse 25, à Zamouan Abraham. Si tu le remarques dans Genèse 25, c'est là le fils d'Abraham. Azamouan. C'est tout un enseignement. Il s'agit de la question du mal. Azamouan Abraham, Madian. Madian est là le fils d'Abraham. Genèse 25. Genèse 25. Parce que après que Isaac a baraqué Rebecca, parce que après que Isaac ait épousé Christ, Abraham pas combat. Abraham aussi est allé se marier. Oui, tant Isaac a baraqué, lorsque Isaac a épousé, à côté ici, moi si en bas, il a fait entrer sa femme à la là, ils sont en Genèse 24. Genèse 25, 24. 24, d'abord, Isaac Tarabal. Lorsque Isaac s'est marié. Verset 67. Le verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. Isaac a remarqué Rebecca dans Emma et Sarah. Sa mère. Maman. Il prit Rebecca. Azaki Rebecca. Qui devint sa femme. Et il aimant. Ainsi fit consoler Isaac. Après avoir perdu sa mère, c'est que Isaac a bali. Lorsque Isaac s'est marié, maintenant verset premier à Genèse 25. Le verset premier de Genèse 25. Abraham prit encore une femme. Abraham a sorti
mwasi nommé Ketura. Le Congo n'est Ketura. Ah, parce que véritable Isaac c'est Jésus-Christ. Parce que le véritable Isaac c'est Jésus-Christ. Tant que Libal. Lorsque nous irons aux noces, c'est ton étoile. C'est la vie que nous sommes. Mais si madame c'est dit okay. Mais après notre nom. Libal a mangé pour ça. Derrière nous il y aura un mariage. L'Éternel a voulu nous à Israël. L'Éternel viendra chercher Israël son peuple. Yahweh, ça veut dire que les pères encore là-bas. C'est pourquoi il se fait que les pères s'est mariés encore. Yahweh, ce qu'on va dire parmi Banana. C'est pourquoi Rémanda parmi ses enfants. Elle est enfantant Zimran. Abote la qui est Zimran. Joshan. Joshan. Médan. Médan. Madian. Madian. Voilà, Madian, ça m'en apprend. Donc Madian, c'est le fils d'Abraham. Bonjour, Abraham. Amen. Donc, nous avons la salle à les enfants battés parce que la carte à Madian des mois si à Moïse Abima. Le Seigneur ne l'avait pas fait en vain parce que c'est de là que sortira la femme. Si tu me dis pas Abraham, nous sommes appelés tous les dans la nation, mais nous sommes sortis des nations de la terre. Vous avez déjà classé Abraham. Le Seigneur l'avait déjà classé dans les Saintes Écritures. Mais plein seul. Mais à cet endroit, Abraham a vu dans les Moïse avec les mois si. Moïse avait pris la femme, il viendra encore les combattre à la fin de la marche. Il viendra combattre sa belle famille. Le Seigneur a suivi parmi les nations. Le Seigneur nous a pris parmi les nations. A au Congo. Il nous a pris au Congo. Les autres, il les a pris en France. Les autres aux États-Unis. La Turquie. Les autres en Turquie. Ils sont tous en train de moi s'il y a vrai Moïse. Nous tous là nous formons la femme du vrai Moïse. Mais le même Moïse avait au Moïse à Bakokilo. Mais le même Moïse vient pas combattre sa belle famille, les habitants de la terre. Dieu combattra les nations. Zamba Koya Kobundi Sabikolo Yamane. C'est ça le jour de l'Éternel. Yamone Mokola Kanda Yahweh. Et si la femme du moi s'il m'a Kobundi Sabako. Il viendra combattre sa belle famille. Moïse dans nombre 31 a programme pour humilier ma madame. Moïse dans nombre a fait le programme d'humilier les madame. Avec la dernière combat, il va combattre la soukoumbaya soukaboumoya mose. C'est tout un enseignement. Ils ont dit la question. Mais nous frôlons un moment par la grâce de Dieu. Nous l'avons seulement frôlé un tout petit peu par la grâce de Dieu. Donc le Seigneur a classé diamonement à Pambaté. Le Seigneur ne l'avait pas classé en vain. Pour m'apporter sa cœur. C'était pour montrer. Na katia ba nation. Parmi les nations. A besoin moi sina. Il viendra prendre sa femme. Na katia pe ba nation. Mais aussi parmi les nations. Faux prophètes aussi. Les faux prophètes aussi sortiront. Vous en avez non? Amen. Toujours na katia ba nation. Katia na katia mikola mon. Que le Seigneur a pambola yominki. Que le Seigneur te bénisse en montant. Tout en a qui est Ézéchiel 28. On avait lu dans Ézéchiel 28. T'as remarqué que le diable. On avait remarqué que le diable. A quitté la sagesse corrompue sur la terre. Il était descendu avec sa sagesse corrompue sur la terre. Et avant de persécuter les Écritures. On avait donné quelques Écritures. Diable, c'est un esprit. Satan a sali mon livre. Mais tout le monde a eu Paul à prêcher la parole. Mais nous voyons ici. Paul en train de prêcher la parole. Dans 1 Corinthiens 3. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Tite-Bokene, même verset 21. Jusqu'au verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Termine la Congolais. Que nul ne s'abuse lui-même. Mon côté Katsinabino a Mikosa. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, ce qui selon ce siècle, qu'il devienne fou. Afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur rire. Sagesse à terre, la carte n'a pas de rire. Il y a la ruse par la sagesse du monde. Il y a votre table qui aussi, Jacques chapitre 3. On avait lu aussi Jacques chapitre 3. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Nous lisons du Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'il a combattu Jésus-Christ. Il faut évaluer que tu vas savoir Abraham a capable tous ses biens. Abraham
avait fait des dents au fils de sa concubine. Et c'est quand on déjà Isaac s'est marié. Après qu'Isaac se soit marié. Donc il dit bah, après qu'il a fait sa concubine, il a après qu'il a donné l'autre. Cela veut dire ces dents là, il est là qu'il avait donné au fils de ses concubines, il ne les a pas encore donné aujourd'hui. Hein? Oui, là, il mais suivez attentivement. Akaba babiloko donc badon et pas à ma fils à concubine. Il fit des dents au fils de ses concubines. Isaac Siabala. Isaac s'était déjà marié. Hein? C'est vrai, Isaac n'est Jésus-Christ. Isaac allait sous Christ vers son. Tantôt c'est la Nibala. Nous attendons les noces. Donc après Nibala, après les noces de la Nibala, le Seigneur a lancé la distribution pour la Baba, la concubine. Alors le Seigneur fera des distributions des dents au fils des concubines. Voilà, non, c'est certain, enseignant. Et tout cela, Yébata Gagé, et sache cela, Apesa Badon, Naba, na concubine, il avait fait des dons au fils des concubines, Apesi tout ce qu'il avait et pas Isaac. Isaac a Zouawana, Isaac, ce qu'Isaac avait reçu, a déjà marié. Il avait reçu l'héritage étant déjà marié. Bonjour, Namala. Amen. Ah, il faut y aller. Tu dois le savoir. Maintenant, il y a un autre animal. Maintenant, tu attends les mains. C'est que tu t'envoies dans les salinités. Cela veut dire Abraham n'a pas encore distribué les dons. Ton animal à moi, les années d'enseignement. C'est l'enseignement. Ton tangine de Jacques 3, ton manila 13. Lequel d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre ses œuvres parmi par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Ce qui va venir pour sa sage, si on appelle quelqu'un sage, il faut attendre sa bonne conduite. Il doit montrer sa bonne conduite. Au tambola, mi banda ya vie en masoum. Donc, une vie en dehors de la vie du péché. Douceur, les âmes. Qui est la douceur. Bon, bon. La douceur. Oh, la sagesse après ça. Et la sagesse d'homme. Et donc, on est, mais parce que vous voyez, le démon. Tu dois savoir que le démon. Les âmes n'ont pas principauté. Il y a des principautés. Les âmes n'ont démon, mais je ne suis pas dans le niveau assez. Il y a des différents rangs de démons. Éphésiens 6, les autres, maintenant. C'est Éphésiens 6 qui est. Combat opposant, hein. Les combats auxquels nous allons toujours combattre par l'esprit méchant, par la principauté, nous allons pouvoir amener, vous allez vous conduire. Et ça aussi, dans le même quand tu marches, étant enfant de Dieu, c'est aussi de la manière de ta marche, de ta conduite. Il faut tirer la carte, tu dois mettre en toi péché, nion, son amour, et tout péché. Salaire, nano, c'est la mort. À tout salaire, la mort. Mais il y a différentes graduations. Mais il y a des différentes graduations des péchés. Vous êtes là, maman? Suivez attentivement. Mais salaire, la mort, non, c'est la mort. Mais tous les péchés ont pour salaire la mort. On joue une publicité. On doumba. Et ça, parmi les géants. C'est parmi les géants. Il faut qu'on y aille. Tu dois repousser ces péchés. Ils ont continué les publicités. Toi, ils continuent dans la débauche. Autre à la beauté. Autre à la chambre. Repousse vraiment cela dans ta vie. Il y a aussi l'amour de l'argent. Le coso est mort. Toi, vraiment si tu luttes contre ces trois péchés-là, tu seras vraiment plus près. Tu seras vraiment plus près du Seigneur Jésus. Et combo, la publicité. Repousse la détestation. C'est la scène pour toi, mon ami. N'attends pas qu'on te voit. Mais bon, il y a vraiment. Il faut vraiment la repousser. L'orgueil. L'olendo. Bon, il y a vraiment. Repousse-le. On va s'en orgueil. On va s'en. Tu vas t'en orgueil pour recevoir quoi là-dessus? Moutoyo, azalala, à cause d'un orgueil, azalala, oyo, azalala, taille, celui qui peut être orgueil, c'est celui qui n'a pas. Il y a des
les armées. C'est Dieu. Pognon César. Parce que tout lui appartient. Parce que Dieu dit que Kati Ketine ici. C'est ça, 1 Corinthiens 4, verset 6. Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce qui va pêcher, il faut aller aux amis pour lui, pour lui, ça va pêcher le thème. Écriture, le dit. L'écriture dit. L'orgueil précède la chute. Le fond de tout le lèvre, il y a d'ailleurs un mauvais dégoût. Chemin où je vais taper. Il n'y a pas un autre chemin. Un orgueil, c'est celui qui s'oppose à l'écriture. C'est celui qui s'oppose à l'écriture. C'est celui qui s'oppose à l'écriture. Donc, l'écriture est là. L'écriture est là. Aboyango, volontaire. Nous serons l'écriture de tous les deux. C'est un orgueil. À ça, on t'en lève. À ta l'on va maler. Même s'il parle doucement. C'est un orgueil. À ça, on t'en lève. Et ce qu'on a dit, Esaïe 2, c'est le meilleur. Mais si tu lis Esaïe 2, Dieu a prohibé l'orgueil. Ça veut dire pourquoi il s'en va t'en lève de bien ça. À ça, on va maler. Esaïe en parle. Et là, il faut veiller à l'amour et là, on se fait ça la parole. Si quelque chose est parole, tu t'aimes pour sa parole. Rabaisse-toi devant la parole. L'amour de l'argent. Le gosse de mon livre. Et bon, avec la racine de tous les mots. Mon sisa, il y a ma tambour, il y a ce yamabé. Et créer un lion sur les eaux qui est yamabé. Donc, Barbie Mbongote, amour de l'argent. Le gosse de mon livre est Mbongo. Mbongo, tu en as besoin. L'argent, nous en avons besoin. Mais amour de l'argent. Il faut le repousser. C'est un démon. Et ça dit, nous livrons la paix au livre. On s'est remonté le cognon soir. Que tu puisses vaincre, surmonter toutes ces choses. Pour que vous allez en paix avec Christ. Et tu seras en paix avec le Seigneur. C'est très important. Et ça dit, mon Dieu a connu. Bible dit, mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer. Si ce qui vous a mis à monter dans la vie, n'a monté. Voilà la première verset 14, il y a Jacques 3. Et un esprit de dispute. Paix mon livre et à vos soins. Ne vous glorifiez pas. Et ne mentez pas contre la vérité. Paix mon corps, c'est à vos soins, ma tambote. Cette sagesse. Il y a la dispute, il y a l'olento, ça va se glorifier. N'est point celle qui vient d'en haut. Et ça dit, Jacques a confirmé, et le côté de l'homme, Ézéchiel 28. Mais elle est terrestre. Parce que ça dit, il y a ma belle. Va continuer. Jamais il y a mon docteur diabolique. Paix à Satan. Bonne année. Les diables, déjà, comme on a Ézéchiel 28, verset. Oh, tout à l'heure, le diable, depuis Ézéchiel 28, qu'on avait vu, est descendu avec la sagesse corrompue. Akita qui n'a pas rien réussi à dévisser. Il y a mon apôtre, ils ont la sagesse pour les uns sur la terre. C'est pourquoi l'apôtre voit une sagesse sur la terre. Les uns. Diable, parce que ça vient au Satan. Et ça, sagesse. C'est une sagesse. Diable, Azalaka. Mais il y a le diable. Il y a un qui a sa sagesse. Diabolique. Moi, il y a au Satan. Mais il y a la sagesse de Dieu. C'est ça qui peut envoyer en Zambie. La parole véritable. Qui te préserve sur le bon chemin. Il y a un moment où vous avez total et ça maintenant. C'est pourquoi on était en train de montrer Total Isaki que on avait montré ceci. La puissante nation. Et Kolo Yambouya. Oyazali Kolo Yama nation. Zouzou qui est au-dessus des autres nations. L'écriture est le serpent. L'écriture appelle le serpent. Mais les autres aussi nations, Baza aussi comme Babette Banyama. Mais les autres nations sont aussi comparables aux animaux des champs. Il y a un moment où ils ont fait ça, bah, témoignage. C'est pourquoi je parle que pour témoignage. Et faciliter compréhension. Pour faciliter ta compréhension. Tant que Nebuchadnezzar a régné. Lorsque Nebuchadnezzar régnait en ce roi à Babylone. Mon côté à Babylone. Dans Daniel chapitre 4, à l'autre qui d'autre. Dans Daniel chapitre 4, il avait eu un songe. Mais tant qu'à l'autre qui d'autre. Mais lorsqu'il lit ce songe. Azor
racontant par Daniel. Il est raconté au prophète Daniel. Azoro Baboye. Il dit ceci. A mon acquis un grand arbre. A mon acquis c'était mon grand molari matas. Ces grands arbres là les avocats ça y est mon grand pouvoir. Et cet grand arbre là représentait lui-même. Donc dans mon moniambo. Et lorsqu'il a vu. Nazu verset 20. Le verset 20. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, Daniel 4, dont la cime s'élevait jusqu'au ciel, et qu'on voyait de tous les points de la terre. Donc, c'était un arbre qui se fait voir dans tous les coins. Osana Congo, tu vas voir cet arbre. Osana en France, comment et tu sois en France, tu dois le voir. Osana Afrique, ici, comment et tu sois en Afrique du Sud, tu dois le voir. Là, c'est dans les songes. Voilà, 4e d'automne. Cet arbre dont le feuillage était beau. Et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des gens. A continuer à le lire, sous lesquels s'abritaient les bêtes des gens. Et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leurs nœuds, c'est toi, ô roi. Est-ce que nous avons que lui a donné le reconnaissance? Est-ce que cela veut dire que les lions qui vont les Ukraine? Lions envoient la forêt équatoriale. Et les lions quittent la forêt équatoriale. Alors qu'elle n'est pas les Ukraine. Et puis c'est rangé les Ukraine. Hein? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est comme ça? Non. Il y a une raison pour que toutes les nations ce sont des bêtes. C'est pourquoi je dis que toutes les nations sont des bêtes, des animaux, des champs. Les seigneurs ont présenté le rôle à Niama. Les seigneurs présentent les nations comme des animaux. C'est pourquoi les seigneurs s'imposent. À s'imposer que les nations n'ont soit à la signe Niama. Il s'est imposé que toutes les nations aient un totem. C'est Dieu. Les animaux en paix. Pour parole à la vraie. Pour que sa parole soit vérité. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, la terre en Tawana. La terre en ces temps-là. Niamanion, ça s'appose au Sikabi à Kopé, Manassé, Anzité. Chaque animal s'abritait sous cet arbre-là. Isaac Nebuchadnezzar. Et cet arbre-là, c'est Nebuchadnezzar. Donc, à la fois, coordonné toute la terre. Il coordonnait. La tête, son côté, ou tout ma casse à écraser. Si tu t'entêtes, il t'écrase. Vous en avez un? Amen. Tozui, Totali, Assyrie aussi, Azaraki, avant. Remarquons aussi Assyrie qui était avant Babylone. Avant Babylone. Parce que Ézéchiel. Parce que Ézéchiel. Tabazon, comment ma camboy, Azaraki, en captivité. Lorsqu'il écrivait ces choses, ils étaient en captivité. À Babylone. À Babylone. Mais Bato Bakenaki avant captivité, il y a Ézéchiel, Ézéchiel et Daniel. Mais Daniel et les autres étaient allés avant que Ézéchiel ne s'en aille. Daniel a Kenda avant. Daniel était allé avant. Là, on peut lire Daniel chapitre 1er. Là, en lisant Daniel chapitre 1er. Daniel a Kenda Mataya, roi Eliakim ou Joachim. Daniel était allé du temps du roi Joachim. Et Bakenda captivité. Non, c'était allé en captivité. Mais Ézéchiel. Mais Ézéchiel. Amo va monter la captivité d'aller à Joachim. Et c'était allé du temps du roi Joachim. Amo va tomber la captivité. Lorsqu'ils sont arrivés en captivité. Le Seigneur a fondu l'esprit. Le Seigneur a ouvert l'esprit. Les dieux et Azor fondu la montre la prophétie. Le Seigneur qui ouvre quelqu'un dans la prophétie. Azor capable aussi à fondu la. Il est aussi capable de l'ouvrir. Pour t'aller, ça y est, ma cambou, délègue aux amis qu'on vient. Pour démontrer beaucoup de choses que tu ne connais. Demeure toujours devant sa face. Demeure toujours devant sa face. Appuyez ma bouteille, ça y est. Il saura démontrer beaucoup de choses. Mais maintenant, ta compose la captivité dans Babylone. En ce temps-là, lorsqu'ils étaient en captivité, c'est réellement Babylone, les Sikaba nations, nous sommes en train de faire. C'était réellement Babylone que là venait s'abriter toutes les nations. Et le Seigneur, il a besoin à humilier ses Et le Seigneur avait besoin d'humilier le roi
Sélésias. Mais Sélésias a louki secours na Égypte na tama. Sélésias a cherché le secours en Égypte en ces temps. Mais le Seigneur a passé qui message pour la nouvelle qui la fois passée. Alors le Seigneur avait donné le message dont j'avais parlé la fois passée. Na Ézéchiel 31. Dans Ézéchiel 31. Azouye Bissa Égypte. Il s'adresse à l'Égypte. Que nous soutenir Israël. Toi, tu soutiens Israël. Oui, c'est tout ce qui était arrivé à la Syrie. Parce que l'Égypte doit dominer. Parce que l'Égypte pour dominer. Plutôt, Babylone pour dominer. Parce que Babylone pour dominer. À quoi ça a Syrie? Il avait précipité ou renversé le royaume d'Assyrie. Et ta voisin dominé en a. Et lorsqu'il dominait. Le temps d'Ézéchiel. C'était le temps du prophète Ézéchiel. Il y a aussi le temps d'Ézéchiel 31. En lisant Ézéchiel 31. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. La 11e année. Vous la zone le premier jour du 3e mois. La parole de l'Éternel me vient adresser en ces mots. Fils de l'homme. Dis à Pharaon. Roi d'Égypte. Et à sa multitude. À qui ressemble-t-il dans ta grandeur? Ici le Seigneur se moque. Il voit quelque chose. Mais à il monte. Géant où il y sur la terre avant que Babylone ait le pouvoir. Le géant qui a précédé Babylone. Alors dit, voici la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles. Son feuillage était touffu. Sa tige élevée. Et sa cime se lançait au milieu des pères. Zoom maintenant vers ce 6e. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leur petit sous ses rameaux. Donc, ceux qui ont vu à moi, là, vous autres, si nous les prenons de manière charnelle, et les côtés Israël, cela veut dire, sont qu'il n'y a pas de côté à mettre la forêt équatoriale. Si l'animal veut mettre bas, par exemple, dans la forêt équatoriale, côté de la Bourgogne, je peux bien mettre le petit. Attali assis. Il regarde l'arbre appelé la Syrie. Il quitte la forêt équatoriale. À Kémaou, il s'en va pour mettre bas sous l'arbre appelé la Syrie. Tous les aliments des gens. Parce qu'on mettre bas, il mettait leur petit sous l'ombre de l'arbre appelé la Syrie. Donc, son comporté la forme. Donc, si tu mets bas dans ta forme, on a la Syrie. Et que tu n'es pas sous l'ombre de la Syrie, cet enfant-là ne va pas exister, il mourra. Donc, moi, les autres, donc cet enfant-là qui est présent, a projet à vous, vos projets à vous, les nations. Donc, celui qui est aux alliés, dans une des exemples, aux Éthiopies, tu es par exemple en Éthiopie, aux Arabes, un programme, des programmes, et qui les programmes qui doivent aider ton pays. Bon, ma problème, on est réussi. Donc, moi, la mota. Pour que tes projets là réussissent. Lucas, c'est eux, ils ont dominé terre. Tu vas chercher l'arbre qui domine. Monte là, mon coumin. Et va mettre bas sous son nom. Sinon, moi, on aura résisté. Sinon, cet enfant-là n'existera pas. Miro, on est sur l'ensemble, on est en train de l'église. Parce que c'est nous, on a fait l'église. Attends, pas ensemble, on divise terre. Je vous montre comment les tyrans dominaient la terre. Donc, ce qui apprend le que si il apprend, Soudan Monti, Soudan Lima, hier, à ça, mais j'ai rencontré la rapport, il était mis, il allait dans ses narrations. Comment il a mis pas en dehors de mon homme, moi, non, on a pour faire. Que cet enfant la meurt. Elle a dit, je ne reconnais pas ces petits-là. Vous comprenez ça là, vous comprenez cela? Parce qu'il faut comprendre comment les tyrans les arabes pour dominer. Il faut comprendre comment les tyrans dominent. Oh, ils ont zambé dans la lecture. Ah, c'est Dieu lui-même qui fait la lecture. Alors, j'allais savoir comment ces nations vivaient. Ils montrent comment la vie. Comportement là-bas. Leur manière de vivre. Avec l'église, c'est un bon endroit. Et qu'ils n'en sont pas ainsi parmi vous, les frères. Maintenant, mon livre de l'église, c'est comme un rocher par contre.
vous allez voir aussi l'église avoir des chefs de contrôle. La crainte, l'église est élevée. C'est que tout le monde est à la santé. Avant même qu'on t'a contrôlé, il faut y avoir les formes. Avant d'entrer dans sa contrée, tu vas venir même. Sinon, moi, on va coexister. Sinon, ton enfant là n'existera plus. À vérifier ta part en béni. Il ne vérifie même pas chez Dieu. Nous t'avons dit la contrôle, il s'en contrôle. Il est entré soi-disant dans sa contrée. Parce qu'il est des grands armes. Parce que celui-là est l'arme le plus important. Il a refusé la naissance ailleurs, mes enfants. Non, il n'y a pas de côté. Qui est entré de ce côté-là? Oh, mon père, mon corps. A mon côté, Angèle. Il provient de Angèle. A ce moment-là, la permission de Angèle. Il ne veut pas demander la permission qu'il ne prêche pas. Attends, attends. Qu'il ne prêche pas. Maintenant, pour la même bataille, il va s'en aller. Mais par ailleurs aussi, il y a un grand arbre. Regarde les grands arbres qui est de ce côté-là. Qui s'attend? Va parler avec lui, soigner. Va soigner avec lui. Tous les animaux mettaient ma caillère. Ma mère, ma salade, tu pourrais être content d'assez avec eux. Bonjour, la maman. Amen. C'était comme ça. Parce qu'ils vont diriger, ils vont dominer, tyranniser leur peuple. Et même Daniel a sauté dit ça. Et même Daniel est en train de montrer. Dans Daniel 11. Dans Daniel chapitre 11. A Jean expliqué à vous dans Isaboué. Il explique en montrant ça. Tout à l'heure, ma caractère. Maman et ça les lignes à maman bâtiment. C'est pas leur manière de faire, la manière de faire des tyrans. Ah, on va total dans Daniel 11. Ici nous lisons dans Daniel 11. Narcis, verset 21. Le verset 20. C'est lui qui les remplacera. Mon Dieu a besoin et si canaillé. Fais-la venir un exactaire. Avoyez sa moto et poids sa ça. Dans la plus belle partie du royaume. Pour la cause union, il y a beaucoup de mais en quelques jours, il sera brisé. On continuera à beaucoup faire. Ah, on a ça dans le verset 20e à l'année 11. Et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Verset 21. Un homme méprisé. Sans être revêtu de la dignité royale, il paraîtra au milieu de la paix. Nous allons à Kimia, soyons en paix. Pour nous, ça va quand même, ça va. Voyons la mission. Faisons pour résoudre pour quand même. Résolvons le problème. Courir à battre sur la malade. Pour que les gens puissent bien. Ça, ça là, il en a bien. Il y a eu beaucoup d'emplois. Il paraîtra au milieu de la paix. Et s'emparera du royaume par l'intrigue. Intrigue, les amis, par réunion, il y a secret. C'est ça le secret, intrigue. Ah, par réunion, il y a secret pour échouer. Faire échouer quelque chose, c'est ça que vous souvenez faire ici. Maman, il y a gagné un bon mari pour la colonne qui s'est élevée pour te couper du saillant. Il y a un bon mari. Il y a un bon mari. C'est comme ça qu'il essaie. C'est grand animal de marché. Il s'est commandé ma conduite dans cette époque. Il parlait au milieu de la paix. Ce gars s'est retiré. Mais si c'est retiré. Ah, vous avez ma petite réunion, petite réunion. On va faire des petites réunions là en secret. Donc c'est bon, pour nous déjouer l'action, déjouer cette action. Merci, la minute, voilà. Merci, pardon. Kimia. Mais Kimia, mais ça va qu'il y a assez. Mais cette paix-là, maintenant, c'est... La réunion, elle va détruire le monde. La réunion secrète est pour détruire ce qui est bien, ce qui est la parole. Cela montrait que la carte de la maman, il y avait risque. Vous voyez, vous allez compter, c'est que la carte de la maman, il y avait ma paix tout d'un coup. Parce que quand elle s'est ok, parce que je suis en train de te tous les animaux, ils allaient qui risaient. Bagamania sera tout qui sera qui peut n'avoir les mains. Mais ça nous a toujours un plus risé qu'il y avait toujours un plus risé parmi ces animaux. Marouana Bazaki a entouré à conseiller sage. Et ces rois étaient entourés de sages. Très intelligents du monde. Maillé les pétards à tasse. Ouais, mais qui si tes frères octavent comme a dit professeur, ce n'est pas mauvais. Et cela n'est pas mauvais que tu étudies de venir aussi professeur. Dieu a la grâce à l'âme. Toi, tu as la grâce de Dieu. On conseille l'homme selon la parole. Et tu verras tout selon la parole. Mais nous parlons de la sagesse corrompue.
Qui a de la ruse à l'intérieur. Il y a diriger le monde, la terre. Qui dirige la terre. Et penser dans moi, ça va la bonne. Et sa pensée est que pour dominer les peuples. Au contraire, il faut avoir comme un amour, nous pouvons attendre. Maintenant, Jésus a dit que l'on va les rendre à la terre à quatre. Jésus a dit que cela ne soit pas ainsi parmi vous. Amen. Donc, nous donnons sa parole sous tous. Et quelqu'un qui donne une autre apparence. Mais la serre, vous avez dans nous. Mais en secret, fait autre chose. C'est vraiment de la politique. Donc ce sont les politiciens que nous disons dans la Bible. Arroi en la terre. Donc c'est quoi là les tyrans de la terre? Il faut évaluer que. Tu dois savoir ceci, bien. Sur la terre. Il y a ma belle âme. Après chute, il y a Rome. Parce que Rome a été blessé. Après la chute de l'Empire. Je vais donner la police 13. En lisant Apocalypse 13. Il y a une seule bête Nicolas Maille. Et ça t'a quand même à ma moi, il y a eu Nicolas Maille. Tant qu'on a blessé. Et lorsque la bête est blessée, avant remplacé par la femme de l'Apocalypse 17. Et sa tête est remplacée par la femme d'Apocalypse 17. Au moment du placé, on a dit l'Apocalypse 13, verset. Là où elle était dans Apocalypse 13, Azate. Elle n'a pas les 17, moi assis sur les eaux. C'est la femme qui apparaît assise sur les eaux. Mais moi si à Bombi la carte n'a la bête à faire des liens. Mais la femme cache en son sein la bête. Aujourd'hui, tant le tosa. Aujourd'hui, dans ces temps que nous sommes. Le roi de la terre, c'est cette femme-là. Mon compte à ma mère, mais moi si wana. Il travaille avec ma bras la nation, nous sommes tous les temps ma casse. Il travaille avec les bras comme des nations d'autres. Les États-Unis. Les États-Unis. La Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne. Mais la femme. Si moi, si moi. Oh, Yaza, Nicolo, Yabatunion, Soba, la Mabéle, la nation. Qui est au-dessus de tout ce sur la terre. La femme prostituée catholique romaine. Moi, si nous voyons que ça va nous payer à Roma. Nous provenons de Madia, mais nous allons combattre Madia. Dieu nous a choisi parmi les nations. J'avais appelé l'issue de la Tikatia Nicole. Apocalypse 17, verset 18. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. 17, verset 18. Et la femme que tu as vue. Mais moi, si vous voyez, c'est la grande ville. Vous savez où m'a mené? Donc, Rome. Donc, la ville de Rome. Qui a la royauté sur les rois de la terre? Il y a des gens qui ont continué sur la terre. Donc, au tiers, ma royauté sur la terre. Donc, tu établis tout le roi de la terre. Président des États-Unis. Président des États-Unis. Président du Congo. Président du Congo. Président de la France. Président de la France. Président de la France. Président de la France. Ici, je lis seulement les versets. Bible le dit honorer les autorités, ton oracle. Vous pouvez s'animer bien à la condition. Mais nous parlons des écritures. Mais nous parlons de l'écriture. Cette écriture, le dit. Cette écriture, on dit. La femme a la royauté sur les rois de la terre. Moi, je suis en à mon compte, Nicolas, ma couille à ma télé. Maintenant, par roi de la terre. Maintenant, le roi de la terre. Ma oignon sur ma zone dominée terre. N'a pas parti ni on soit ma bébé. Tous ceux qui dominent la terre ont toutes ces parties. Oya Zali Corona Bango. Celle qui est au-dessus de tout. C'est cette femme. Les amis, moi sur Douma. C'est la grande ville. Les amis, Boumbo Monia. C'est pourquoi vous allez voir. Moutoua Taosa Eli Wabi. Même si tu es élu dans quel pays. Il faut voyager à Rome. Tu vas faire le voyage vers Rome. La dépit à ma femme. Il faut être là. Au début de ton mandat, tu vas faire ce voyage. Parce que. Parce que. C'est parce que la chaque bête venait. Et il y a manière sur Zaraki pour y en passer. Et mettez pas que l'âme. Zaraki pour monter la cassée. Après, ok. Après, il peut repartir. On a la présidente d'Azinali. Tu sois président des États-Unis. On tombe aux élections. Et que tu aies des voyages à Rome, frère. Tu dois effectuer le voyage vers Rome. Parce qu'il y a nous des grands cas. Parce que c'est Rome, les larmes les plus élevés. Il y a Zali la royauté, Nicolas Barouan Mios, sans exception. Qui a la royauté sur tout le monde. Sans exception. Attends mon côté Zali. La Bible est vraie. Bible est Zali seul. La parole de Dieu. Le bon Zali. Et ça, oui, amen. Et ça, nous, comme au pays.
On ne débat pas les choses de la Bible. Et tous ces esprits-là, il y a qu'à conquérir le peuple. De conquérir le peuple. Et famille n'a pas forme nionce, on ne l'a pas ma peuple, n'a c'est à vous. Donc cela réside dans toutes les formes d'emprisonner le peuple. Que Dieu vous bénisse. Ça ne vient pas dans la vie. Mais Jésus leur a dit que ils ont la langue en tête la carte. Mais Jésus a dit qu'ils ne soient pas ainsi parmi vous. Disons-moi, ils ont la langue en tête. C'est la parole de Dieu. Ce qui règne au milieu de nous, c'est la parole. Sont-ils présentés là et là? Si tu me présentes une chose, sont-ils la parole de Dieu? Si la chose n'est pas la parole, en tout cas, je ne veux pas la prendre. La terre. Je ne veux pas la pratiquer. Sont-ils ma mère ou sont-ils ma qui la parole? Si tu me trouves, tu n'avais pas versé. Si sont-ils ma mère, ils ont fait la mission. Si la Jésus-Christ était mort. Jésus était bon pour nous. Non, faire la vie. Non, tu n'étais pas bon pour moi. Non, non, non. Tu me suis attendu. Sauf présenter quelque chose à vrai. Si tu me présentes ce qui est vrai, ils en ont témoin à moi. S'il y a un témoin à l'église, je m'attache à ça. Adoré à moi. Je l'adore même. J'ai vu ce qui est mettre bas sous l'ombre du grand arbre. Aux gens là, et ça n'a pas tout, on ne peut pas célébrer Pâques. Il y a d'autres qui se préparent à célébrer. Ceux qui dimanche, ceux qui célébrent la limite. Ils célébrent. Bisous aux gens à Pâques chaque jour. Nous avons la Pâque chaque jour. L'agneau pascal, c'est l'enseignement. Il n'y a pas sa manière, il est ici. Il faut éviter ça au Pâques et la Colombanie. Pâques est à Issaka, passé outre. Pour l'état possible, c'est ça mon problème. Jésus a vrai à Pâques. Au moment où l'ange a dit qu'au moment où il a dit qu'il a Égypte. Vous voyez, lorsque l'ange exterminé les premiers en Égypte. Maintenant, si on va prendre un endroit où il y a la Yuda. Maintenant, il arrive dans la maison des enfants d'Israël. À passer outre. À l'église, à Sibia. Mouvement en l'an. Ce mouvement-là dépasse. Dépasse là. Donc, Esaïe 53, le bien vous voyez. Donc, Esaïe 53, le châtiment qui donne la paix est tombé maintenant sur lui. Quand il y a un Zambéon, c'est quoi une colonne? La parole de Dieu s'est abattue sur lui. C'est pourquoi ça, Christ, notre Père. Et encore là, ça dit Christ, on passe ça à la mission. Donc, Amélie, quand il y a un Zambéon, il a porté à lui tous les châtiments. Il se fait mettre au cocaté. Nous, nous sommes des pécheurs. Mais Andimi, comme elle m'a canda nionso. Mais il a accepté de porter la croix. Comme ils sont tombés, maman et pasta. Afin que nous soyons agréés de Dieu. Y'a mon de pasta. Donc, canda n'a plus ce point, il pourrait à Christ et Jésus à la croix. Notre châtiment est tombé sur Jésus à la croix. Maintenant, puis sont aux amis justifiés. Nous nous sommes justifiés. On s'est délivrés. Nous sommes délivrés. Y'a mon Pâques. C'est ça la Pâques. Et t'y sur mon. Elle n'est plus restée un jour naturel. Mais ça va tout nous sous la loi célébrée dans ces deux et ça est élevé. Mais il y a d'autres gens qui célèbrent la Pâque sous l'arbre élevé. Mazao na Kisangani. Il est ici à Kisangani. Mais Aza lié directement à Rome. Il est lié à l'Église catholique. Amen. Donc ce qu'il faut d'ailleurs comprendre, ce que tu vas comprendre, que les œuvres de Nicolas, Dieu est ça. Nous trouvons la nature de ces rois-là. Cherchant à effacer droit d'abord à peuple, mais à ministre peuple et l'autre pour cherchant à effacer les droits des peuples afin de les lier encore d'autres fardeaux des gens. Ils ont présenté la paix. Ils présentent la paix. Menacés dans ma réunion pour détruire ma vie. Mais en secret, il y a des réunions pour détruire les autres. Il y a un moment dans la dernière ans. Et c'est ce qu'on a vu dans la dernière ans. Les âmes à chef de la païenne. Les amis par contre, il y a la vie. Bonne année. Pourquoi? Sagesse corrompue. Oui, les amis, quoi que bénissant. Sagesse de la terre. Quoi que ma bénisse. Sagesse diabolique. Les amis, vous Satan. Nous sommes chemin pour pas dominer. Et tous ces chemins-là pour dominer les gens. Mais la vraie église. La Église, c'est seule. La parole de Dieu pour régner. C'est la parole de Dieu qui régne. La vérité pour régner. La vérité va régner. Que Dieu bénisse. Ça vient pas la parole est vous en élevée. La parole sera élevée. Mais bah, oh, bah, vous mépriser la parole. Mais ceux qui vont mépriser la parole. Bah, vous en avez sous l'esclavagisme et un homme n'a l'homme.
seront sous l'esclavagisme de l'homme sur l'homme. Grâce. Là, tu as reçu la grâce. Parce que Bible est dans sa grâce. Parce que la Bible aussi montre. Bénédiction. La bénédiction. Et avant la total, il s'en va pendant qu'elle est reçu. Je montre dans Acte. Acte chapitre 3. Acte chapitre 3. Dans Acte 3. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ça m'attire. Parce que c'est après, ça va pas la Romains 5. Acte 3, verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, les amis, la Bible dit à Yamontambe, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. A-t-il acquis pour pas pour la Bible? Allez-vous expliquer maintenant pour bénir. Maintenant, je vais expliquer cette bénédiction. En détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est ça la bénédiction. Pierre a tenu. C'est Pierre qui a prêché comme ça. Mais Paul même a tenu. Mais Paul comment il a prêché. Romains 5. Romains chapitre 5. Deux fois maintenant. Toujours d'abord dans Romains 4. Dans verset 3 d'abord. Verset 9. Dans verset 7. Romains 4. Verset 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. C'est bonheur. C'est n'est-il que pour les circoncis? Les amis, pour la Bible, dans tout. Basons même à pardon et à péché. Ce que le Seigneur n'impute pas son péché. C'est ça le bonheur d'abord, l'apôtre m'a dit. C'est ça le bonheur que les apôtres avaient péché. Barabe, Bazana va gisement par pétrole. Hein. Les Arabes ont des gisements depuis des années. Bazana va milliards de dollars. Et ils ont des milliards de dollars. Mais ce sont des malheurs. Parce qu'il va s'aller à ton manoir. Alors ça dépense par jour. Il peut faire des dépenses par jour. 100 000 dollars par jour. 100 000 dollars par jour. Mais c'est un malheur. Parce qu'il va s'aller à ton manoir. Pourquoi ça n'a pas le péché? Parce qu'il n'a pas reçu le pardon du péché. Pardon péché n'est bien la bénédiction. Bénédiction. C'est le pardon du péché que Pierre avait appelé la bénédiction. Dans Acte 3, verset 26, dans Acte 3, verset 26, dans Acte 3, verset 26 que je viens de dire. Donc, vraie bénédiction. Pas et ça d'abord nous allons sanctifier pensée. C'est d'abord que Dieu sanctifie ta pensée. Donc, au commencement, pensez les autres à les faire bien. Et que pensez puissent bien penser. Parce qu'on commence à penser, mais on t'est oublié. Parce que tu ne peux pas tromper ta conscience. Tu fais ce qui pensez les autres à les comme. Si tes pensées les autres à les faire dissiper, tu le sais. Ce qui pensez les autres à les faire si elles le sont à les faire, tu le sais. Mais bénédiction. Mais la bénédiction. Les autres en vont sanctifier. C'est que Dieu puisse te sanctifier. C'est ça la bénédiction. Il y a bon des limpambos. Il y a bon des pierres. On a dit dans Acte 3, verset 26. C'est ce que Pierre avait dit dans Acte 3. Jésus-Christ était venu pour vous bénir. Il soyez qui pour la limpambos. Matière de l'île. Mais la bénédiction. Maintenant, on va expliquer. En détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est ça la bénédiction. Il y a bon des limpambos. Paul s'est dit énormément. Et Paul aussi a prêché même. T'as raison de dire sur le pardon du péché. Lorsqu'il parle sur le pardon. Avec un mot, c'est bonheur. Et c'est bon à mon nom. La première des choses, c'est la sanctification de l'Église du Père. La crainte de Dieu. Ma fausse église. Ma boîte à la Bouba Mazan. Il rejette la crainte du Tout-Puissant. Mazan, au
bonbon. Il ne sera que tu auras de l'argent. Aujourd'hui, tu auras une voiture. Aujourd'hui, tu achèteras des parcelles. Mais au moins, la côté est petit homme. Mais ils ne vont pas prêcher. Prêcher, abandonne le péché. Il y a des fausses églises. Les amis, dans l'église, il y a ma paix à l'écoute. Mais nous, nous disons qu'il faut d'abord vous en bénir. Que Dieu te tourne, alors on a quatre raisons, l'iniquité, la vie du péché. Que Dieu te bénisse en montant en toi la vie du péché. Que la crainte de Dieu s'installe. Que la crainte de Dieu puisse s'installer. La soumission à la parole. Que la soumission à la parole s'installe. Il y a un état qui s'en puisse se manifester. La vie. Bon, il y a sainteté. Il y a sainteté. Et c'est l'effet, ma carrière. Beaucoup c'est. Tant que la maison tombe en agathe. Alors ce qui s'élève en toi, on réfléchit tes genoux devant Nicolas. Tu ne réfléchiras pas les genoux devant la doctrine de Nicolas. Parce que ma casse à côté, mais la doctrine, on a déjà qui vous sent. Parce que la force de s'opposer à ces doctrines-là, c'est la sainteté d'abord. Parce que la doctrine, on les hommes, un diable. Parce que ces doctrines-là, c'est le diable. Satan. Satan. Mais la doctrine, on a. Les doctrines-là, c'est quoi la doctrine? Et là, t'as gagné. Donc, c'est là les procès de qui les gens. Et vous êtes maintenant un peu plus vous aider. Et c'est là qu'ils vont perdre ce qu'ils ont dit. C'est là qu'ils vont posséder le corps des gens. Paul a remarqué. Ils se lèveront au milieu de vous. Par contre, tout le monde a dit qu'il y a des gens. Ils s'introduiront. Par contre, tout le monde a dit qu'il y a des gens. Alors, on a deux catégories. Il avait parlé de deux catégories. Donc, j'ai posé la main pour tous les gens. On était ensemble avec lui. Mais à un certain moment, à mon étude, l'écriture n'a plus de sens. À mon écriture, à Tina, il néglige l'écriture. Maintenant, pour avoir dans la carte, ils se lèveront parmi. Maintenant, il sera dans le nom de ceux qui se lèveront parmi. Mais ça, ils s'introduiront. Les amis, on avait la prière pour contacter la carte, Tina. Jésus a remarqué à moi dans Matthieu 7. Jésus avait dit dans Matthieu 7. Faites attention, il y a des loups, mais malati, poya. Les amis, il y a pas de soyez prudents. Vous en avez un. Vous en avez un qui est dans le lit qui envoyait papa les œuvres. Là, tu vas les reconnaître dans le salon. Les œuvres, vraiment, ils ont fait sa gloire dans la bêtise. Les œuvres qui ne donnent pas gloire à Dieu. Vous voyez les amants des rois. Tu vas les reconnaître par là. Voilà, il faut tenir les amants à quoi on a Jésus. Salut bon alors, que Dieu bénisse. Amen. Et que la grâce et la paix à la Nicolas dans mon corps. La grâce et la paix soient sur tout à chacun. Vous avez un bon maillot passant et dans mon corps. Vous avez un bon maillot de l'homme. Vous avez un bon maillot en dedans et qui tombe. Vous avez un bon chemin. C'est la bonne pour l'âme. Vous avez un bon maillot. Vous avez un bon maillot protégé. La force de l'obéir. A bénir la vie à sainteté. Que bénisse avec une vie de sainteté. Il vit la parole. Il vit la parole. Et tourne vraiment la tête. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Au Père, merci parce que vous avez appelé à mon nom. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu. Vous avez l'homme à solo. Tu es la véritable victoire. Zambé Nabikam. Le Dieu de miracle. Ozali Paul, tu es la lumière. Ni bana na yo wa sala kangolo azate. Donc de toi il n'y a point personne qui fait grâce. Tara mon frère. Regarde mon frère. Tara ma soeur. Regarde ma soeur. L'olenga son kokate komike na ngolo. Alors qu'est-ce qui ne parvient pas à vivre ta grâce? Car la grâce de Dieu source de salut pour tous les hommes. Oui, t'es ngolo azate tina bomo ipo na. Les amis pour enseigner qui sont pour nous renoncer. Au mal. Elle nous enseigne à renoncer au mal. Que le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Jésus. Grâce n'a étalé sa manakate la mort pour la mort. Que ta grâce est manifeste dans tout le chacun. Purifie ma pensée à mort pour la mort, Seigneur. Et purifie les pensées de tout le chacun. Oh, ni osa dans la pensée sur lui. Pardon. Tout celui qui est sué dans ses pensées. Oh, sanctifier Jésus. Sanctifie le nom de Jésus. Oh, la sanctifie ma casse à bien au sang. Celui qui manque la force et la vie et prière. Pessaye ma casse à l'eau sang. Donne la lui au nom de Jésus. Tout celui qui entre dans le péché en tout temps par ses lèvres. Pardonne Jésus. Libre ça et soumise. Pétola dit Bonaïe, Seigneur. Purifie ses lèvres, oh Dieu. Ce qui m'a béni, moi, m'a carga mon oconaïe. Si les lèvres sont sorties, préserve ses lèvres. Bâtez-le dans mon péto. Préserve-le dans la sainteté. Car il y a un colombe la parole, Nayo. Parce que c'est toi qui as dit dans ta parole. Ce qui te dit, Thomas, dans les jours heureux. Si nous voulons voir des jours.
Donc préservez notre âme. Que ta grâce, oh Dieu, et ta gloire à sa malade, puisse délivrer celui qui est malade. Et puis qu'il soit pour ta gloire. Tu puisses guérir pour ton bonheur et ta sa main à Rosa. Et ton nom se manifeste. Pour qu'il soit mis le mot qui tombe. Accompli de six merveilles. N'a qu'à t'y abandonner. Parmi tes enfants. Et si qu'à qu'on quitte. Là où il n'est pas en vie. Va à ma coquine. Sois ses capacités. Son bon appel, il s'en a à d'autres. Ouvre aussi ses activités. A mon appel, en ta monnaie et fond. Ouvre aussi ses activités, c'est pas grave. Parce qu'on va dire qu'on sait que pas la nuance. Parce que tu avais dit que nous puissions tout te demander. Yo, quand il va pour ça. Et tu sauras agir. Bon, nous n'avons pas dit ça, mon alliance. Et ta grâce est manifeste. Tu sais bien qu'on a combo et coca et ça va être pour toi. Na combo et mon côté, na mission de son Christ. Combo et Zali, combo et Zali, c'est quoi? Les noms de la résurrection. Combo et apparemment. Les noms de la vie. Na combo et Zali, c'est quoi? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Colo et Jésus-Christ, papa, pour la mort, pour la mort. Et Jésus-Christ, on est sous tes chemins. Qui n'y a pas colo et Zali, n'a eu. Que la paix du Seigneur soit au partage. Amen. Amen. Ce soleil te batte, il se trouve à ma vie. Amen. Batte, il se trouve à la vie. Batte, il se trouve à la vie.